Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je dis à moi pour un plaisir, moi, pour me saluer nous, et puis tout pour me remercier nous, pour support nous dans le travail que nous avons fait, parce que nous abonnés avec Chanel là, nous aider nous en pile. Nous dis tout le monde qui est abonné avec Chanel, merci, et puis tout le monde qui peut faire ça, et tout, nous demandons qu'à toujours continuer à faire ça, parce que aide nous important pour nous. Je dis à nous parler de un dossier, de ça nous parler, à ligne avec quelques coups d'État qui passaient dans le pays d'Haïti, sorti des sorti sous président Vilbrun Guillaume Sam et puis arrivé sous Jean-Bertrand Aristide. Avant de commencer, n'a demandé ou même qui peut faire ça, ou une possibilité jusqu'à présent pour aller en bas channel YouTube là pour like, pour commenter et puis abonner avec channel là pour plus encouragement et puis pour une possibilité je toute vidéo n'a pas parce que vidéo nous pas là pour nous faire politique avec personne mais nous là pour nous parler de pays nous n'a parlé de tout ça pays nous supporter depuis notre temps passé et jusqu'à présent. C'est pour ça seulement nous là, pour nous rappeler quelques bagages dans l'histoire pays d'Haïti. Pays d'Haïti, c'est un pays, nous avons dit 62% gouvernement qui monte dans le pays, ça toujours passé mal. Dans comment? Gagné qui démissionné, gagné qui exilé et qu'on gagne tout yon même assassiné. C'est comme ça, on a parlé de 1870. L'ESA, c'était président Sylvain Salnav qui t'a gouverné. Mais après, M. était fin passé 3 ans dans tête pouvoir, il était assassiné, M. Mais après, il était fin assassiné, M. C'était dans l'idée de l'État, on souffre avec le pays, bah, la devine plus mal. Et c'est comme ça, il y a plusieurs présidents qui t'a pris le monté, il était obligé pas de carréter, il était démissionné. Donc, c'était quelques présidents pour vous. Nous avons dit Jean-Pierre Boyer, il n'est pas de carréter, il était démissionné. Fab Nicolas Geffroy, mais c'est pas de carréter, il était démissionné. Déni légitime, mais c'est pas de carité, il était obligé de démissionner. Mais n'a pas rappelé où, démission, on sait que des chefs d'État dans le pays d'Haïti, c'est pas seulement les guerres entre deux camps Cap Goumen, entre opposition et puis et gouvernement en place Cap Goumen. Parfois tout, peuple a lui-même, lui qu'on entraîne en pouvoir, lui prend, lui qu'on entraîne en palais, lui prend président, que ce soit ça assassiné ou bien vous faites tout ça, vous connaissez avec eux. Le 27 juillet 1915, laisse on a parlé du président Vilbrun Guillaume Sam. Après, M. Défin passé 4 mois dans tête pouvoir, c'est laisse aller d'après le perdu la ville. Côté que, peuple a été entré, il était premier, il était assassiné, li, dans l'idée qu'il était reproché qu'il était tué 167 prisonniers politiques. Et c'est tout grand événement ça, n'a pas là, qui t'a débouché sous sa relais occupation américaine, nan, qui nous te prend le 28 juillet 1915. Mais pendant toute période gouvernement, pendant toute période occupation américaine dans lui-même, pays a été vraiment gonti calme, pays a été calme. Raison parce que Américains étaient sur territoire, Haïtien c'est une nation hyper blanc, depuis blanc au côté, a bien calme quand même. C'est comme ça, après une grosse crise politique qui était débouchée sous avec départ président Paul-Eugène Magoua, n'a pas l'aider 1956. Pays a lui-même, il devine connaître yon, il devine passer 3 présidents dans un espace 1 an. Premier président qui était passé, c'était Guené Montpierre-Louis. Mais c'était pour un pouvoir le 12 décembre 1956, il était obligé de remettre pouvoir en février 1957. Ça veut dire, monsieur, c'est un président qui était fait 2 mois dans tête pouvoir. Deuxième président, c'était Franck Sylvain. Mais c'est pour un pouvoir 7 février 1957, il remettre lui 14 juin 1957. Ça veut dire, mais c'est fait 3 mois lui-même. Daniel Fignolet, mais c'est pour un pouvoir 25 mai 1957, lui remet pouvoir 14 juin 1957. Qui donc, Daniel Fignolet te fait 40 jours sous pouvoir lui-même. Mais, le 22 octobre 1957, c'est l'ESA. François Duvalier, après, elle prend pouvoir lui-même. Mais, général, ça lui-même, elle te prend pouvoir lui. Pas de monde qui te capable de tout ça. Mais, c'était prend pouvoir lui. Il te rete la donne jusqu'à ce qu'il mourit. Mais le bon bagay intelligent qu'il a fait, il a modifié la constitution en 1964, qui a fait en faveur de Petit Li. C'est ça qui fait, et c'est Petit Li qui a remplacé lui. Depuis nous parler de Petit Li, nous avons parlé de Jean-Claude Duvalier, c'était lui-même qui a remplacé Papal. Et M. était fait tout le temps sous pouvoir. Après, peuple a été fâché contre monsieur, il a été levé contre lui. Et c'est comme ça, monsieur était obligé de quitter le pouvoir en 86. Après le départ Duvalier, yo, pas de solution vraiment qui te qui te joint dans le pays ça. Pays a pas de stable. Au contraire, pays a devenu une série d'événements qui étaient plus sanglants parce que ça te comme passé déjà.
Soti an nan 1986, rive an 91, peyi a te konn yon seri de gros coup d'état, men n'ap rapele ou l'armée d'Haïti te jwe gros rôle nan coup d'état sa yo. Premier moun ki te passé an bas roulo sa, c'était Leslie François Maniga, c'était premier président qui était élu après Jean-Claude Duvalier définitif pouvoir, mais c'était prend pouvoir en février 88, mais quelques mois après n'a pas le de juin 88, mais c'était obligé quitter pouvoir après avoir été fini renversé après avoir été fini balle au coup d'état qui t'a venu en faveur Henri Nanfi. Henri Nanfi lui-même bon mais c'est pas même rien faire sous pouvoir, au contraire, il était humilié monsieur et c'est comme ça le 18 septembre 88, yon parti nan l'armée d'Haïti ya avec quelques gars de palais national, te oblige force misé ki te pouvoir. Mais force misé ki te pouvoir, mais ça d'abord vini li même en faveur général Prosper Avril. Prosper Avril la li même, li pat même mouvé faire rien encore. Ça c'est trois pays nan fò konnen la quelques bagay ki passe nan pays ya. Prosper Avril pat même mouvé faire rien. Au contraire, c'est me rappelle, c'est même si m pa menti d'après l'histoire, c'est même garde ça encore qui te forcer monsieur bay pouvoir mais qui t'a venu c'est les ça t'est venu t'a venu Erta Pascal Touyo qui était originaire la cour de cassation c'était lui même qui devait remplacer Prosper Avril mais Erta Pascal Touyo t'a gagné une seule mission c'était organiser élection Erta Pascal Touyo qui ça t'a fait lui-même il t'a fait travail qui était au univers il t'a organisé élection et puis c'est les ça le 16 décembre 1990 Jean-Bertrand Aristide te li président d'Haïti. Et c'est comme ça, le 7 février 91, Jean-Bertrand Aristide prend investi du pays comme président de la République. Jean-Bertrand Aristide lui-même, bon, nèg ça, c'est une nèg qui passe en pile misère dans pays d'Haïti parce que il était tenté bal trois coups d'état, te gen deux qui réussi et puis premier coup d'état lui-même il pas arrivé réussi. Premier coup d'état, c'était Roger Lafontaine qui était un ancien chef Tonton Macoute qui était tenté par monsieur premier coup d'état mais ça pas passé mais quelques mois après deuxième coup d'état lui-même il était réussi et c'était dans deuxième coup d'état ça mais c'était obligé quitter pays là il était rendu tout droit Venezuela c'est là il est Venezuela il prend quelques ils font petit en Venezuela après ça il était rendu aux États-Unis d'Amérique et puis c'est comme ça tu viens Raoul Cedras qui te prend pouvoir qui te remplace monsieur pour un petit bout de temps. En 1994, général Jean-Bertrand Aristide là, monsieur t'a pas tourné dans pays là pour plus belle. Mais cette fois-ci avec yon intervention militaire américaine. Le 26 novembre 2000, Jean-Bertrand Aristide t'a réélu dans pays encore, mais c'était sous bannière politique famille Lavalas. Après élection ça, bah la devine plus red dans corps li parce que opposition pas d'accord et c'est ça qui te mette lui en face l'état qui te mette lui en face opposition dans un gros conflit lui même avec nèg dans opposition bah là vraiment pas facile pendant toute période gouvernement Jean-Bertrand Aristide là bah là t'es vraiment dit pour monsieur et c'est dans une époque ça n'a pas plu t'es gain ça a été relé convergence démocratique là en 2004 depuis nous parler de 2004 mais nous ouais général ça a été relé Guy Philippe là Guy Philippe lui-même, c'était un général qui t'a prouvé, c'était un ancien chef de la police avec tout le leader bien armé, mais c'était marché dans Port-au-Prince, dans l'idée pour te prendre palais national. Et c'est comme ça, ça t'est arrivé fait vrai. Malheureusement, malheureusement pour Jean-Bertrand Aristide, mais c'était obligé de quitter le pouvoir le 29 février, mais c'était obligé de prendre exil. Pays nous, c'est un pays qui a passé misère depuis longtemps. Je dis à nous qu'à poser tête nos questions. Est-ce que c'est vous et président aller qui solution vraiment? Parce que si c'était vous et président aller qui était solution pour Haïti, nous garantissons pays d'Haïti, tapions plus bel pays dans les Caraïbes là. Parce que c'est ça nous fait seulement vous et président aller. Qui donc pays là? C'est pas vous et aller à notre solution. Pays là, c'est tête ensemble pour nous mettre, pour nous garder vraiment solution que nous cherchons. Pays d'Haïti, souffre trop. Même si c'est petit pays, nous supposons mettre tête nous ensemble pour nous battre pour lui, pour prospérité pour ça. Parce que bataille chaque jour. Ça qui belle là, n'a bataille. Entre nous, parfois n'a bataille, ça nous va même compte pour qui ça. Eh bien, n'a prêché tête ensemble pour payer ça, pour un jour, tout petit pays qui arrive là-dedans,
bien, sans qu'elle saute, et puis, pour nous faire ancêtre nous plaisir. Parce que ancêtre nous yo c'était bataille en pile pour te bonne bouter ça. Malheureusement nous gagnons ni n'a mal traité. Nous pas prêter en pile. Mais n'a mando ou même qui pour abonner avec nous avec channel là, ou qu'a toujours continuer faire ça. Et c'est comme ça chaque vidéo que nous lagué, ou bien possible de vous joindre. N'a mando toujours like vidéo nous, quittez un commentaire pour plus d'encouragement. Merci en pile. Bonjour tout le monde. À la prochaine.